Par les morts de Jésus-Christ, dans les prier. Amen. Amen. Nous vous saluons par les noms de notre Seigneur sur Jésus-Christ. Et nous disons que Dieu vous bénisse à vous. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Soyez connectés. Vous allez la c'est dimanche, si vous baladez les esprits, vous n'aurez pas saisi la pensée de ces matins. Soyez vraiment connectés du début. Ce que Pessy qui dit par la mécanisme, et aussi battre le canisiaton ou à l'élève. Deutéronome chapitre 24, verset 19. Quand là, vous avez dit mon béco, on va prendre tout pour les balayer à l'élève, c'est la zone de l'élève. Deutéronome chapitre 24, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre au zongate au kamatayango. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et vous allez pour un paya, pour un mois na étiqué, et pour un mois si à couvrir. Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Souligné, c'est cette dernière phrase que nous allons étudier ce matin. Afin que l'Éternel Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons un autre texte de Daniel Komimosus. Je suis chapitre 18. Mon Kandaïo choix, mon Kaponazo, ma mère. Nous lisons le verset 6 jusqu'au verset 9. De Daniel Zéla Moutoba, qui nous a zéla l'ivoire. Je suis 18. Je suis chapitre 18, verset 6 jusqu'au verset 9. Le verset 6 jusqu'au verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous donc, Bino, vous tracerez un plan en sept parts. Okokenda, vous tracez plan manco, l'habité du sang. Et vous me l'apporterez ici. Voilà, je suis un zotin d'Abatou. Abino, vous me l'avez plan pour vous tracer. Il y a ma belle main à zotin d'Abino. Pour vous tracer plan. Je jetterai pour vous les sorts devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous. Car les sacerdoces de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la Lévite tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur avait donné de l'autre côté du Jourdain à leur nom. Gad, Ruben, Lévite tribu de Manassé, déjà un homme au sous sur le Jourdain, Bazoaki de Boulamar. Lorsque ces hommes s'élevèrent et partirent pour tracer un plan du pays, vous suivez la lecture? Est-ce que vous suivez la lecture? Tant que Batouana va bini. Pour tracer plan, il y a beaucoup ici par la Québec. Josué leur donna cet ordre. Je suis appelé par mon métier de Oé. Allez parcourir le pays et tracez-en un plan. Ok, là, pour la boca, pour ça, plan et la boca. Et revenez auprès de moi. Au son, papa, il y a. Oui, je jetterai pour vous les sorts devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent et parcoururent le pays. Batouana, je suis à Tidaki, mais et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts. Nakotalaka bingombana bingomba, ba tracé plan et mokawana, et zaki ite misambo. Dans un livre, ba kamati ango. Va tracer un plan.
Et ils revinrent auprès de Josué dans les camps à Silo. Bazongi sikoyo et pas à Josué na isika vandaki na Silo. Maloba ya Nzambe. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Je dis que nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je veux ta promotion pour la santé. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu. Vivez le bonheur. Vivez la grâce de Dieu. Vivez la paix. Vivez l'abondance car votre Dieu vous aime. Sentez-vous toujours dans cette joie-là. Comme les Écritures disent, réjouissez-vous, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous continuons pour terminer. Nous allons pour la poursuivre ça. Comme je l'avais dit autrefois pour boucler la boucle. Aujourd'hui, les point virgule à la marche que nous avons commencé ensemble depuis le mardi ou le dimanche de notre foi. Donc on tient pour tout gomme en état pour les réalités et autobanda qui n'a mis collé les qui. Mais je demande votre attention parce que je ne ferai pas un récap à tout ce que nous avons dit. Alors c'est la bouquet binabino pour la poson et la nion sauté autobanda qui cala. Notre thème c'est la gerbe oubliée. Mon conjoint a mis ses amis, il poke à Milono Babosani et Langa. Pas la castitude. N'angolui en Zambé. Nous avons dit à l'église du Seigneur qu'une gerbe dans la Bible représente un individu. Tolomé la qu'église en colo était l'époque à Milania, Milona la Bible et Talisa Pemoto. Parce qu'en soi, ou en réalité, la gerbe c'est un tas d'épis. En d'autres termes, c'est un assemblage d'épis. À partir de la gerbe, on peut avoir, s'il vous plaît, on peut avoir un autre champ à partir de la gerbe. En d'autres termes, nous dirons que la gerbe, quand vous la regardez, elle n'est pas seulement gerbe, mais c'est aussi un champ. Nous avons essayé de chercher dans les Écritures pour voir. Nous avons vu qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Qui avait eu une vision, un songe. Il l'amena à ses frères. Il dit, nous allons j'ai vu que ma gerbe à moi s'était élevée et que le vôtre l'entourait. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il dit elle, vos gerbes, entourait la mienne et l'adorait. Ah, sukati wana te alobi, oya bino esinga ki angai pe e kumba melaki. Nous avons compris que les gerbes ce sont les adorateurs. Wana to sosola ki ente mapoki a milone zali basambe. Joseph en soi à lui-même c'est une gerbe. Joseph na yemo kopi a zali mapoki a milona. Mais le frère Pierre nous enseigne dans les Actes apôtres chapitre 2. Ah, le kopete na zali kote a biso na mikanda ya mantoma moka pona ni bale. Il dit qu'il ne soit permis. Que notre père David, jusqu'aujourd'hui sa tombe existe. Alors que David avait dit, tu permettras pas que ton moine voie la corruption. Le frère Pierre explique, il dit tout ce que les prophètes ont dit pour eux. Ne s'est pas compris avec eux. Ils parlaient plutôt de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Joseph c'est aussi un prophète? Vous allez condamner que Joseph vous pas allez vous appeler. Vous croyez comme ça? Vous allez condamner Bongo. Vous croyez comme ça? Amen. Vous croyez que David c'est un prophète? David il peut vous appeler. Abraham c'est un prophète? Abraham peut vous appeler. J'exagère. Adam c'est un prophète? Adam peut vous appeler. Job, c'est un prophète. Yobo, peu mon sacoli. Quelqu'un me demande là, il dit, j'ai jamais vu
Toma na tikala komona te la prédication d'Adam. L'ité ya Adama. J'ai jamais vu na tikala komona la prédication de Noé. L'ité ya Noah. Mais j'ai vu la prédication d'Ézéchiel. La sinamona l'ité Ézéchiel. J'ai vu la prédication d'Isaïe. La monalité à Isaïe. J'ai vu la prédication de Jérémie. La monalité à Jérémie. Je nous apprends ce matin que les prophètes sont subdivisés en deux parties. Il y a des prophètes qui ont enseigné. Par la parole. Il y en a d'autres que eux n'ont pas enseigné par la parole. Mais leur manière d'être et les pratiques qu'ils ont faites est devenue un enseignement. Car ces amis n'ont pas sacré. C'est ainsi que nous disons que tout le monde qui est venu avant Jésus. Et tous qu'ils ont été et ils ont fait représenter Jésus-Christ. Quand on parle de Joseph, il gerbe. Qu'on doit adorer. En réalité, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un Joseph, fils de Jacob, mais le véritable Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les autres alités n'ont pas à Joseph, mon commande à Jacob, car si Joseph y a solo, Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est écrit dans les ciels. Sur la terre, sous la terre, nous nous inclinons devant un seul nom. C'est pas le nom de Joseph, mais c'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand les frères disent qu'ils vont adorer Joseph, ils entrevoient, ils présagent, ils prédisent l'adoration aujourd'hui faite en Jésus-Christ. Acceptez que je nous dise dans notre doctrine. N'adorez pas un pasteur. N'adorez pas surtout le système qui est aujourd'hui dans notre évangile. Père, 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 père. Les gens aiment adorer les pères au lieu d'adorer Dieu. J'aime bien, ayons du respect pour nos prédicateurs, ayons du respect pour ceux qui sont venus avant nous dans la foi, ayons du respect, mais quand il s'agit de Jésus, et le Père, et moi, nous sommes prévus devant le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce matin, regardez la pensée. Dieu dit dans le terrain 24. Soyez connectés. Quand vous verrez ou quand tu feras la moisson de ton champ, tu prendras les gerbes. Mais s'il arrivait par hasard que tu oublies une gerbe, regardez, nous avons déjà une bonne enquête. S'il y en a à côté ici acheté, parce que ce que nous avons, pratiquement il ne crache plus. Regardez. Première étape. Oui, ça y est, tenir une poisson. Moisson. Kobuka. Deuxième phase. Et tenir mi balai. Une gerbe tombe. Ah, je ne sais pas si oui. Vous croirez avec moi que cette gerbe qui est tombée, c'est la gerbe oubliée. Ah. Ok? Troisième étape. Et Demiami Sad. Je veux que vous soyez connectés. Merci beaucoup, mon précieux frère. Merci. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Troisième étape. Regardez, regardez. Interdiction. Et Pékiselo. Interdiction. Donnez-moi celui que vous avez emporté. Celui-ci est encore neuf. Il faut l'acheter. Il faut seulement l'acheter. Sera plus long. Troisième étape, interdiction de revenir prendre la gerbe oubliée. Regardez s'il vous plaît, quand vous ne revenez pas prendre la gerbe oubliée, vous la laissez pour qui? Allons ensemble, vous la laissez pour qui?
Pour les pauvres. Pour la Mongola. Pour qui? L'orphelin, n'est-ce pas? La moana est tiquée. Et aussi la veuve, c'est ça? Oui. Regardez dans vos textes pour qu'on ne dise pas tu n'importe quoi. Regardez dans vos textes. Vous avez les textes avec vous. Regardez dans vos textes. Papa, vous auriez pu voir rapidement. Parce qu'il traîne. Deutéronome 24, 19. Il y a quelque chose que nous cherchons là-bas. Deutéronome 24, le verset 19. Oui. J'ai mis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Quand tu moissonneras ton champ, oui, et que tu auras oublié une gerbe dans les champs, oui, tu ne retourneras point la prendre. Ok. Elle sera pour l'étranger. L'étranger. Pour l'orphelin. L'orphelin. Et pour la veuve. Pour la veuve. Est-ce que vous êtes là? Ah. Avec quel objectif tout ça? Oh mon Dieu. Avec quel objectif? C'est pour que les amis pourraient être l'éternel Dieu te bénisse. Yahweh Zambé à Bambola. Que bénisse les travaux de tes mains. À Bambola Misala Yamaboko. Oh Dieu. C'est pas comme ça. Les amis pourraient être. Il dit, tu vas moissonner. Yokobu Kalilanga. Tu oublieras une gemme. Yokobo Sanaka. Le pauvre ou encore. L'orphelin, l'étranger, la veuve va prendre ou vont prendre ce que tu auras oublié. C'est là. Quand ils prendront cela, c'est alors que moi, Dieu. Qu'est-ce que je ferai? Quatrième fois, c'est quoi? Ah, voilà. Vous êtes très intelligent. J'avais déjà dit de dresser une liste, papa. J'ai parlé avec le recteur de l'équipe, tout le monde à l'université. Tout le monde. Oh, je n'ai pas de diplôme. Allons d'abord, diplôme, on verra après. Mais je dis ça pour dire simplement que l'évangile en vous êtes plus que les universitaires du monde. Et l'évangile éternel, c'est l'université de Dieu. Je vous dis, c'est l'université de Dieu. Les amis, vous êtes plus intelligent. Vous allez m'aider. Quel pasteur brahmaniste qui a 10 000 membres. Vous êtes plus intelligent que lui. Quand lui pense que en ce temps ici, il y a un autre prophète en dehors de Jésus. Vous croyez que l'écriture dit après avoir autrefois parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes, Dieu en ce temps de la fin nous parle par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est-à-dire, c'est temps de la fin. On n'a pas besoin d'un homme qui vient des États-Unis. Nous avons besoin du fils lui-même. Or, le fils lui-même, c'est Dieu. Parce que le fils a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le fils aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Que Dieu bénisse à mon nom. Ah. Vous êtes très intelligent. Vous allez m'aider mingi pendant que certaines personnes ce matin sont allées dans les rassemblements, autant les souliers, autant les sandales, vous leur demandez, c'est quoi? Moïse avait ôté les souliers. Mais vous, vous avez compris que ôter les souliers veut dire personne n'était capable de me délivrer. Tout le monde était que déchaussé. Les seuls capables de porter les souliers aujourd'hui, c'est celui qui a la capacité de rédempter. Le véritable Boaz est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Vous êtes très intelligent. Vous avez Je
Mais maintenant, regardez. Quand tu laisses la gerbe à l'orphelin, à l'étranger et à la veuve, c'est alors que tu seras. C'est la prédication de ce matin. Regardez. C'est-à-dire que tout le temps qu'Israël a sémé et qu'il a récolté, il n'est pas béni. Ok? Soyez connectés, s'il vous plaît. Tu vas s'aimer. L'eau, tu fais la moisson. Mais pour que tu sois béni, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut oublier une gerbe. Pas seulement oublier la gerbe. Il faut aussi que cette gerbe devienne pour qui? Pour qui? On étudie ensemble. Entre celui qui a fait les champs et le veuve orphelin et étranger, qui est béni avant? N'y a pas moi qui monte à l'imposteur. Ah? Il passe bien. Qui est béni avant? Qui se réjouit avant? Oh, l'orphelin, l'étranger, la veuve, se réjouissent avant les propriétaires du champ. Mais le champ n'était pas à toi. Le champ n'appartenait pas à l'étranger. Le champ n'appartenait pas à la veuve, ni à l'orphelin. Le champ appartenait à Israël. Israël, toi tu travailles, moi, l'étranger, la veuve, l'orphelin, je suis béni avant, toi tu seras béni si moi je suis béni. On n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est-à-dire, l'orphelin, l'étranger, la veuve, ils n'ont pas travaillé, mais ils ont bénéficié le travail des autres. Le travail des autres, c'est quoi? C'est la gemme qu'ils ont oubliée. J'ai crois que la bénédiction pour les champs se trouve dans la gemme oubliée. L'ipambolipone la mezzanina katia l'ipoki a mis la balance pour la gloire du Seigneur. Maintenant regardez. Jusque là j'ai donc des codes, je vais décoder ça après. Je vais décoder après. Je vais décoder après. Demandons à Abraham. La bénédiction en réalité c'est quoi? Genèse chapitre 15. On a dit que la moka pour Nazomi la mitano. On a déjà lu ça. Genèse chapitre 15. Oui. Demandons un peu à Abraham. Tout le monde a dit que oui. La bénédiction, c'est quoi? Verset 1er. Lisez. Le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Oh là là. Verset 1er de Genèse chapitre 15, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces événements, Simon Makamwana, Makamwana Makamwa, chapitre 14. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Abraham ne craint point. Abraham, Kobakate. Je suis ton bouclier. Nazar. Et ta récompense sera grande, oh, très grande. L'ifouti na yo et bozala mon aîné. Abraham répondit, Abraham a dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Abi, Yahweh, on peut s'arranger. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Abraham a dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Est-ce que vous en avez là? Amen.
Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Oh là là. C'est-à-dire, Awa, Abraham a eu une récompense, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit que la récompense n'avait pas la monnaie. Est-ce que vous avez dit que la récompense n'est pas mourir? Vous avez dit que le foot n'est pas mourir? Parce que nous avons dit que nous avons dit en difficulté, en contestation avec Abraham, nous avons dit que la récompense en haut. Ok? C'est quoi Abraham a compris, la récompense que Dieu voudra lui donner, oui, ça lui fout, en réalité c'est un fils. C'est ainsi qu'il dit ceci. Moi je pars. Je n'ai pas d'enfant. J'ai déjà vieilli. Et l'héritier de ma maison, c'est les ailes de Damas. Que Dieu obéisse. Amen. Tout ça là, Abraham cherche quoi? Il cherche quoi? Là, il cherche quoi? La bénédiction pour la récompense que Dieu lui avait promise. Parce qu'il vous souviendra que déjà au chapitre 12, Dieu lui avait dit que je te bénirai. Ici, il veut dire à Dieu, la bénédiction que tu m'avais promise là, je ne l'ai pas vu. Que Dieu obéisse. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le chapitre 15, qu'est-ce qu'Abraham réclame? Il réclame quoi? La bénédiction. Vous comprenez ça? Et dans le Deutéronome 24, pour avoir la bénédiction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut laisser la gerbe à la veuve, au pauvre et à l'étranger. C'est qu'Abraham veut dire à Dieu, je cherche cette gerbe-là. Continuez, on va décoder ça. Continue. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Oui. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Awa, banda Abraham au solula nanzambe, Abraham au lukamwana. Ici Abraham cherchait le fils dans les locaux. Oui. Oui. Continue. Le verset 5. Oui. Et après l'avoir conduit dehors, si il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et il lui imputa à justice. Continuez. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, mais si j'ai Abraham n'entamé, il parlait de quoi dans l'entretien? Si il pas moli, non. Il pas moli à héritier, n'est-ce pas? Parler sur la bénédiction. Mais la version que tu entends là, par l'ongue d'un héritier, par comme il en boca. Ils ont quitté l'héritier. Est-ce que c'est au pays? Ouais. Abraham a eu un héritier. Abraham cherchait un héritier. Mais ils ont mis à son bacheur. Mais le Seigneur. Quand il a l'ongue, il en a eu. Il a chanté. Chanté. La même chose, on a bien l'autre. Pour t'amener dans ces pays. Continuez. Abraham répondit. Oui. Seigneur éternel. À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Oh, Abraham. Alors, moi, j'ai dit qu'à moi, non? Il a quitté le problème. Il a commencé à parler de comment connaîtrais-je que je le posséderai. Abraham, que cherche Abraham? Abraham, il cherche les pays. Ou bien le fils. Abraham, que cherche-t-il? C'est ça le mal. Le mal d'enseigner dimanche, c'est ça. Il y a des gens qui dorment déjà. Mais ça dit n'a pas tout pour là. La mouka. Acclamons pour la blague. J'ai été dit qu'on est sur le mal d'enseigner dimanche. Maman.
qu'est-ce qu'Abraham cherche depuis qu'ils ont commencé la conversation avec Dieu. Le pays ou un fils. Mais dans le verset que nous venons de lire, de quoi est-ce qu'Abraham parle? Des fils ou des pays? Il parle de quoi? Oh, mais Abraham, qu'est-ce que tu veux? Abraham a compris que un pays, c'est aussi un fils. Parce que Dieu lui dit que ta récompense sera grande. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham, c'est un fils. Et ce fils-là, il est aussi un prix. Je ne sais pas si l'on comprend. Voilà pourquoi Israël, quand il sortait de l'Égypte, il allait dans un pays appelé Canaan. Ce serait ça le repos pour lui. Mais quelqu'un est venu dans le monde. C'est un fils. Il dit ceci. Venez à moi. Vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Qui parle? Jésus. Jésus. Qui est Jésus? C'est un fils. Mais il appelle les gens pour avoir quoi? Le repos. Donc le pays du repos, que Dieu promettait à Abraham, c'est le fils de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons dans l'évangile, si vous avez le fils, vous êtes dans le repos. Vous voyez comme ça? Entre temps, Abraham cherchait quoi? La bénédiction. Aïe, 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 aïe. La bénédiction ou la récompense. Et nous avons compris que la bénédiction se trouve dans qui? Dans le fils. Se trouve dans quoi? Hein? Ça, vous avez retenu? Vous avez retenu? La bénédiction se trouve dans le fils. C'est le même fils. Là, il est aussi un pays. Ah, docteur Jonas. Voilà pourquoi je crois. Aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus. Est-ce que vous savez que Cana était réparti en portions? En nombre de fils d'Israël. Vous savez? Vous savez ça? Oui, bien. Ah, c'est que si tu es en Jésus, ce qui vous allez dans Katia Jésus, tu manqueras pas ta part. Opposant la tête, je nous dis toujours, Nazali pourrait mis sa vie sur ta. Si il s'est rébellé aujourd'hui par un mariage, c'est sa part qu'il a eu dans les pays. Ce qui ne pas contient dans les pays, on peut le poser ta part est là. Et tel il a eu pensé. Si il s'est eu de l'argent aujourd'hui, ce qui ne pas moi, pas moi, un frère a eu un bon job. Ne vous frustrez pas, ne vous sentez pas lésé. Dites-vous que comme je suis dans les pays, il a eu sa part, moi aussi, j'aurai ma part. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La police qui se m'a donné pour ma casse. Sachez-vous. Regardez, on avance un peu, on ajoute une dose. Regardez. Ça veut dire que la bénédiction ici, on peut l'appeler comment? On peut l'appeler comment? On peut l'appeler comment? Papa, vous êtes des intelligents. Faculté à droite, droite dans mon camarade, à la calcule. Polytech, bonjour. Toute l'église en polytechnique. Oh non, ça, lettre. Des lettres, des. Non, pas des lettres. Polytech. La bénédiction ici. Regardez, c'est très important ce que je fais. Où est mon marqueur? Marqueur. Vous l'avez emporté? D'accord. La bénédiction. Ah, c'est moi qui l'ai. Mais tu ne mens pas. La bénédiction, regardez. Il sera appelé quoi? Oh, ne tombez pas, ne tombez pas, ne tombez pas. La bénédiction, c'est qui? C'est le fils. La bénédiction, c'est le pays. Est-ce que vous croyez que ce pays ici, c'est le pays de Canaan? Bon, mais on va dire ça. Je change. Les gens qui ont travaillé dans les champs.
Ils ne peuvent pas entrer dans le Canaan si le pauvre et la veuve ne sont pas entrés premièrement. Toi qui as travaillé dans ton champ. Mais pourquoi t'as la canne? Pour entrer en pauvre la veuve, ma rencontre avant yo. Les pauvres la veuve, yo, après. Toi tu viendras après eux. Mais on salue Moussa. Oui. L'homme t'en salue Moussa. Mais le corps au salaka est réel, il a faut déposer. J'aime Wanana ma belle. Ma rencontre avant yo. Comme tu avais commis l'erreur d'oublier la gerbe, j'entraînerai avant toi. Jésus. Yes. Il est Jésus, c'est un juif. Mais comme ils l'ont négligé, voilà, à la résurrection de Jésus, la lycée, quoi, yes. Nous qui étions loin, nous qui étions pauvres, d'ailleurs ce qui me réjouit, oui, c'est que quand l'on voit Jésus, dans nos bazotés, et qu'on gagne 30 cycles d'argent. On achète un ascendamment. Une portion de terre. Pour enterrer. Allez, vous allez choisir. Je vous fais le. Vous avez appelé ça quoi en 6ème dimanche? Choix de type. Vous allez choisir. Kopona Ebele. C'est ça? Oui. Kopona Piano Ebele à Koloba. Docteur, on va faire les choix multiples. Comme ça, choix multiples. Merci, mon compagnon. L'écriture dit. L'écriture dit. Combien on a acheté un champ appelé à Keldama. Basombi et la Namoko, comme on a dit. Pour enterrer. Pour Nakokunda. Les étrangers, première session. Bapaya. Pour enterrer. Pour Nakokunda. Les étrangers morts. Oui, Zali, Bapaya, Bakufa. Quelle est la vraie réponse? Troisième assertion. Pour enterrer pour Kukunda, les Juifs. Bayuda. Posez-les. Il n'a pas classe. Et là pour comprendre bien. C'est pour enterrer qui? Les étrangers morts. Attention. Papa, vous ne répondez pas. Pour enterrer, première assertion, étranger. Réponse, il y a une deuxième assertion, étranger mort. Mon paio à Koufa. Troisième assertion, les Juifs. Bayuda. Étranger? C'est ce que dit le verset. On n'enterre pas les Juifs. Pas les étrangers seulement. Mais les étrangers qui sont. Ça veut dire si tu ne meurs pas, ceux qui ont confité. Même si tu es étranger. Attends, Salimo. Tu n'entres pas dans quel moment. C'est comme il parle. Pas pour les Juifs. Pour n'abaïr la terre. Non, pas encore. Il va faire ça la voie. Je dois faire ça. Un Jésus. Yes, mon corps. Égal. 30 cycles d'argent. Égal. Un champ appelé à quel dame. C'est-à-dire. Quand tu es dans quel dame. Tu es dans qui? Tu es dans qui? Mais pour entrer là. Il faut que tu sois un étranger. Et puis deux, pas un étranger vivant. Une église, docteur Jonas. Toi qui viens à une église. Si tu dois couvrir une église, s'il va. Il va en faire des matins la terre. Mais si on a un moulouba, à côté de la bande à l'union, ça va sensibiliser partout. Ton il est étranger. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais regardez ce que je cherche. Regardez ce que je cherche. La bénédiction, c'est les fils. Les pomponniers saliment les mobiles. La bénédiction, c'est le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que quand Josué envoie les gens pour aller explorer les pays, il dit tracer les pays. Parce que de l'autre côté, Ruben, garde la demi-tribu de Manassé, ils ont déjà eu leur portion. Vous allez. Moi je
suis ici au camp à Silo. Ngai nazali awa na mulako ya Silo. Allez-y, regardez le pays. Okay, na kota la mboka. Ils vont regarder quoi? Azoki kota la mini. Tracez le pays. Bebo eba na ko tracer mboka. En d'autres termes, faites les croquis. Les nobles mosusu osa la croquis. Est-ce que vous êtes en Hollande? Ah. Faites les croquis du pays. Osa la croquis en mboka ya mboka. Pour qu'en fait vous me rameniez les rapports. Mais regardez ce qui m'intéresse pour ce matin. Lorsqu'ils firent les croquis du pays, ils mirent ça dans un livre. C'est-à-dire le pays. Si vous voulez le chercher aujourd'hui, il est où ça? Dans les livres. Est-ce que vous comprenez? Je vais terminer la prédication, je vais terminer. Dormez pas. Ne dormez pas. Les pays, vous faites les coquilles du pays. C'est ça. Vous savez, coquilles en boca. Mais quand vous reviendrez, ramenez-moi ça. Mais il ne les ramène pas de la manière que tout le monde peut voir. Ils mettent les dessins du pays dans quoi? Est-ce que repos, fils? Il y a une bénédiction à Katoyo. Retenez ce petit exercice. C'est la bénédiction, n'est-ce pas? Ils n'ont pas poli. C'est-à-dire, quand ces gens sont revenus de l'espionnage, ils ont pris les pays, ils ont mis dans un livre. Si tu veux connaître les pays, lis les livres. Voilà pourquoi nous croyons à l'écriture qui dit celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie. Il s'est rendu à Nazareth, à Kenneki na Nazareth, où il avait été élevé. Bisika Tombomaki. Et selon sa lecture, il avait été élevé. Bisika Tombomaki. Et selon sa coutume, le Kola na Mumesanonaye. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. À côté la synagogue Mukolo sabbat. Est-ce que vous voyez que la synagogue est à Bayuda? Vous savez que la synagogue appartient aux Juifs. C'était les Juifs qui étaient dans la synagogue. Toi, tu n'es pas. Tu n'as pas le droit d'y entrer, tu es païen. La synagogue appartenait.
na synagogue o ezaya ba yuda. Et Jésus est entré dans la synagogue qui appartenait aux Juifs. Landa, ni ezaya. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui répondit. Regardez. Il entre dans la synagogue le jour du sabbat. Il va penser. Il s'éleva pour faire la lecture. Mon toit s'est levé à où tu as dit. Hein? La Bible, mon toit s'est levé, c'est la maladie. Donc il s'est levé, c'est qu'il s'était assis au préalable. Il s'est levé. Il était entré comme tout le monde. Et comme les gens s'étaient assis, aussi s'est assis. Donc Jésus était semblable à tous. Lorsqu'il est entré, il est entré dans la synagogue. Avant de s'élever, il avait quelle position? Ceux qui sont dans la synagogue, pas les païens. Lui aussi, le juif. Envoyé aux brebis perdues de la maison. Lui et les Juifs sont semblables. C'est pourquoi en posant la question, qui dit-on que je suis? Ils ont répondu Moïse. Vous avez Moïse. L'un des prophètes. Mon papa s'appelle Esaïe. Isaïe. Jean-Baptiste. Joël Baptiste. Élie. Élia. Alors, toutes ces personnes sont venues. Et Jésus aussi apparu comme eux. Mais Pierre est dans un monde et la position à côté les mains. Lorsque Pierre les voit dans la position des Pierre, Pierre a dit tu es le Christ. Vous avez le Christ au Massia. Le Fils de Dieu très haut. Pierre comprend que cet homme ici, il n'est pas seulement comme Zacharie, mais il a la guérison de toute l'humanité dans sa vie. C'est pourquoi lorsqu'il est entré, à Rwanda, il s'est assis premier. Vous croyez aussi? Ni les amis dans la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais déjà terminer ici. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Ah, papa c'est dit. Papa c'est dit. Bandeko, est-ce que vous avez dit que il y a livre de repos Esaïe? Vous croyez que c'est dans les livres qu'il y a le repos? Vous avez dit que qui n'a Esaïe la carte livre? Qui l'a paix dans les livres? Bénédiction dans la carte livre. La bénédiction aussi dans les livres. Ma question est celle-ci. Lorsque les gens qui s'étaient assis avant que Jésus ne lise les livres, est-ce que ça m'a autant d'un peu pour expliquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait lire et l'expliquer? Hein? Non. Oh là là. Et qu'on passe. Tant que Yeshua côté, lorsque Jésus est entré, il y a un livre, toi, pour ta livre. Il était venu avec le livre où il l'avait trouvé là. À côté, on l'a positionné. Comment est-ce qu'il avait trouvé? Est-ce que ça a un toit qui a ma coquille à côté pour expliquer le livre? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le lire et l'expliquer? Il n'était pas là. Il y a un toit en réalité à la vie. C'est pourquoi nous disons dans notre enseignement, lorsque Jésus se lève, à son le livre, il déploie les livres et le lit, à lui qu'on proclamait qu'il y a l'obico. Et ces mots, il y a pas tout le monde sauté, il y a pas pauvre. Voilà pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas tout le monde sauté. Il a dit ceci aux pauvres. Renvoyez libre les captifs. J'aime beaucoup. Et ça, t'as ma télé, il est à tanguer. Lorsqu'il s'est levé, il a lu. Et ça, bon, t'as ma télé.
Je crois. Côté le Yesu, les germes ont écouté à qui? Et puni pour l'aller. Joseph va voir qu'à qui n'a cité. Attends-moi de l'Égypte. Lorsqu'on a tombé de l'Égypte, les pas moyen qu'on kenne n'a pas la découverte à Joseph. Et ça ne me parle pas. Il a terminé de voir. Assisi Gotanga a kangi. Il a fait un aussi. C'est que Bino est venu au serviteur. On dit qu'il a un livre. Il a aussi avec les livres fermés. Gotanga a vendu les livres. Lorsqu'il s'assoit. Alors, Bino, il dit ceci. Aujourd'hui, les lords. Cette portion, l'écriture, c'est accompli. Les conquis sa vie. Oh là là. Bino, la Gotanga. Pour qui les livres. L'accomplissement. L'accomplissement. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça. Jésus. Jésus. Quand on l'a enterré. Il était devenu comme ça. Lorsqu'il est sorti. Les repos qui étaient cachés depuis les temps anciens. Il est donné au peuple. Mais pour que ces repos-là. Se répandent totalement. Il faut que Jésus s'assoie encore. Docteur. Donc il est ressuscité aujourd'hui. Il est plus mort. Il s'est assis sur le trône. Lorsqu'on a vendu la moindre il s'est assis sur le trône. Les fonds à eux, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les livres, c'est ça la bénédiction du peuple. Mais le peuple ne peut pas la voir. C'est d'abord la veuve. C'est l'orphelin. Il y a votre barabolité à auto suite. Il dit que les attentes nous ont appelé si bisous et en haut, pour tout pour malango. Après, mon matin, vous allez vous sauter. Un temps que Dieu nous a donné pour manifester les fruits et après, nous ne l'aurons plus. Pourquoi la parole de la bénédiction? Parce que les propriétaires chantent aussi la bénédiction. Les maîtres du chant. On dirait que Babou va bénéficier deux fois. On dirait qu'elle bénéficie deux fois. Balibosso, Babou qui lui donne ma paix. Les gens moissonnés sont partis. Balami Balé. Et la deuxième fois. La bénédiction pour avoir laissé la chair. Et puis surtout bénéficier comme Bala. Mais nous ne bénéficions qu'une seule. Oh, mon hygiène de couille. Si tu vois qu'il gère oublié, profitez. Yo, moi, il y a un possible. Est-ce que vous avez compris le message de ce matin? Je vais nous dire simplement que nous, les nations qui sont aujourd'hui l'église du Seigneur, nous avons cette gerbe avec nous. Aujourd'hui, chez nous, le livre n'est pas fermé. Il est comment? Si le livre est ouvert, il nous annonce quoi? Il nous a oublié. Il nous a, dans le livre, qu'est-ce qu'on a tracé? Le pays, hein? Le repos, hein? Aujourd'hui, le livre qui est ouvert, c'est la bonne nouvelle qu'on nous annonce. Elle nous parle du repos qui nous attend. Je te dis, frère, la gloire à venir, elle est plus grande que la souffrance. Aujourd'hui, les gens peuvent te mépriser, ils peuvent te voir inutile. Mais il y a une gloire qui t'attend. C'est que tu entreras dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Mais je nous dis aussi qu'aujourd'hui, comme les livres est lu. Lokola poko etangami, la bénédiction d'être ton partage. Je nous rappelle toujours que l'évangile ne nous donne pas seulement l'espérance d'Israël. J'aime ce verset ici. Terminons avec. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5.
Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je cherche exactement le verset. Oui, verset 3. Zélaïmissat. Romains chapitre 5, le verset 3. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien. Si nous avons là quelque part, l'église n'a mis son nom en face église, bateau ensemble à ma notre église en face une église de gens qui prient pied de ils adorent pied. Avec des fanfares, des trompettes. Vous voyez, maman? Ce qui caca, lui qui papa l'oubli. Si on dit seulement papa, il faut lui décaler. Toute l'église crie. Pour Baloubi, papa. Parce qu'on a dit tata. Donc nous amène à Mango, à l'ensemble de mon royaume à Zala. L'air Dieu, afin. Et Baloubi qui est papa l'oubli. N'ayons tant d'autant d'écriture que j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il faut mon aïlonga. Causer la tête d'un adoctrine, la vie sur la vie. Amen, amen. L'homme, amen. Amen, hein. Alléluia. Et ça a raté l'écriture. Amen, amen, hein? Amen, amen. 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 Romains chapitre 5, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien plus. Au nom de Jésus-Christ. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Oh là là. Basi. Nabomo le moussantu. Et koso misangai si maté. La persévérance, la victoire par l'épreuve. Oh, la persévérance produit quoi? La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas d'affliction. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas d'affliction. La Bible ne dit que pas si cause à la terre. La Bible dit qu'il y aura des afflictions. Mais tant pas si il y est, et produit n'est pas nous sommes. Vont produire quoi chez les saints? Et produit. Moi c'est à Job, moi c'est à Job, oh yo. Moi c'est à Job. Moi c'est à Job. On m'a dit, hein? On m'a dit l'anté. T'entends pour la naïe? Moi c'est à Job. On m'a dit? Moi c'est à Job. Si m'a dit, comprends que moi c'est à Job. La clame jambée l'on m'a dit? Maudit Dieu. Oh, coup, papa. Et meurt. Non, voyons, tu gars là. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, il a dit à bien, et ça est facile, hein? C'était facile, c'est en ce moment. Non, c'est plein de frères Job, hein? Moi? Non, c'est plein de frères Job. Ah, j'aime beaucoup les frères Job. Ah, il m'a dit, à Job. Après, ma terre, maman. Qui était venu dans la vie de Job, il avait refusé d'avancer. Bah, Bildad! Les Bildad de choix. Après, ma terre, maman. Il a résisté à leur enseignement. À Taliti, la soumma fille, ma compagne. Non, moi, si, Nangai. Non, ma tonne, y'en sort. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il célébrera les derniers. Et l'on connaît le colombie sa moutou bon mot. Qu'est-ce qu'il fera dire alors? C'est l'espérance. Les amis, Elikia. Elikia. La vie de son l'année. Alors, il dit que parce qu'il était, parce qu'il y a des afflictions. Il a même dit que si ma peau collait à mes os, c'est-à-dire que je vais souffrir. Mais ce que je sais, malgré la souffrance, j'ai un rédempteur. Les amis, nous aussi connaissons encore. L'affliction produit quoi? Les afflictions produisent la persévérance. Ça produit quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Ah. Donc frère, tu as en église, pas juste avant, on se croit de la bâtie.
Le frère qui abandonne l'église parce qu'il n'a pas été savant. La chemise on a l'attaqué qui c'est même au Mbawana. C'est la chemise que j'avais portée pendant toute la semaine. Je vais la porter pour venir encore. On ne vient pas ici pour faire voir nos vêtements. Non. Je ne veux pas dire qu'on a la propreté. Je n'ai pas dit que tu sois propre. Soyez propre. Vous avez ton appel. Mais je ne veux pas dire. Si on a une chemise, moi, si tu as une chemise, on a pourquoi. Non, je vais laver le soir. Ou tout n'a repassé. N'attends pas d'enfiler au propre. Les afflictions produisent quoi? Ma passe, les mots tatamis. La persévérance produit quoi? Oh, donc celui qui persévère, qu'il sache, je dis ce matin, maman, frère, sachez que il ne va pas te laisser tu auras la victoire. Cette victoire ici, ce n'est pas seulement la victoire d'entrer dans la légende, mais c'est la victoire dans les épreuves. Oh, ma bonté est à passe. Oh non, il n'y a plus d'emploi. Oh, mon salaire est à terre. Il n'y a pas d'emploi. Oh, santé, la laine ici, ma santé n'est pas. Ce sont des afflictions. Mais ça n'est pas passé à Michel. Il faut que tu fasses quoi? C'est que nous sommes à la ligne. Hein? Oui, que tu persévères. Oui, capico. Après ta persévérance, qu'est-ce qui viendra? Benassi, ma bonté, capico, à mon épée, n'y a longa au nom de Jésus-Christ. Sois vainqueur au nom de Jésus. Longa, la place au teka na wenze. Oh, ma tumsu. Et l'homme a eu un nom de Jésus-Christ. T'accompagne au nom de Jésus-Christ. L'homme a le mariage naïo. Sois vainqueur dans ton nom. L'homme a la fiançaille naïo. Sois vainqueur dans tes fiançailles. L'homme a le projet naïo. Sois vainqueur dans tes projets. Et l'homme a eu ça. A ton monde, on s'en est fait et s'imiter. Colombaté, il m'a passé la mission dans la mission. Je vois que l'affliction et vos abattements. Pour produire la persévérance et votre humilité, on est démenti et longa. Un frère m'a dit au village, on demandait l'argent pour la construction. C'est comme si ma mère m'a dit que tout dans une des provinces quelque part, maman, il y a maman qui est ici, maman, il n'a pas donné. Il a pécité. Mais il avait avec lui 25 000 dollars. À Zala qui n'a poché 25 000 dollars. Pendant qu'il sortait, lui dans sa tête, Soukas n'a pas donné, mais dans sa tête, il a dit, je pourrais donner quelque chose, je vais estimer après. Pendant qu'il sortait, il n'a pas les documents comme vivant dans ce pays-là. Alors, on a mis la main sur lui. Mission. Document. Oui. Maintenant. On a commencé et puis on a trouvé 27 000 dollars et bien collé des diamants. On a 27 000 dollars, on a diamants pétés. Comme ils ont pris l'argent et puis on a collé des diamants, il est revenu à l'église, nous on était encore là. On a basé un bon, on a diamant, on a l'église, on a besoin de monter. Moi, Dieu me traite comme ça. Il t'a traité comment? Papa, il est là. À moi, Dieu me traite comme ça. J'avais pensé faire quelque chose, mais je ne vais plus rien faire. J'avais pensé faire quoi? Quand vous demandez l'argent, tu avais 25 000. T'as rien donné. T'as rien donné. Puisse l'autre côté. Tu vas passer donner après. Il dit, papa, je ne vais plus rien donner. N'a coupé ce sous à ta méaté. Je lui ai dit, tu sais, Dieu lui dit, Dieu savait que tu devais donner ça pour que tu aies beaucoup. Mais c'est grâce au Père qui s'est posé. Mais tu n'as pas exécuté. Cassio pour salir en côté. Je prie pour toi. La cosa me la pone. Je suis venu à ce que Dieu fait. Au commun, on a la cosa. Nous avons prié. Tout ça me dit. Il a vu un jeune garçon devant son comptoir. À mon idée, comment que les gars libos sont. Il y a un gars qui est une libos, boss. La libana, pourquoi le libos, boss. Regarde ça, ça pèse. Regarde cette pierre. T'as la libana, oui. Est-ce que c'est les diamants? Les amis diamants. Le boss regarde et dit oui, ça c'est déjà les diamants. Il dit à l'enfant, c'est rien, c'est pas les diamants. Ils aient l'autre côté, ils aient rien. Il prend ça, il va et il fait laver comme il le font. Il vend ça 125 000 dollars. À Teki, on a 125 000 dollars. Est-ce que vous avez compris? 120, il avait perdu combien? Mais il a vendu à 125 000 dollars.
comme ça, du 25 000 dollars à perdre 120, à gagner 125. Il est venu en venue, papa. Ah, il a lui. Ça passe là. Ah, Dieu vraiment. Ah, il faut que l'affliction produise. Et ce qui va passer au temps. Et après l'espérance, qu'est-ce que vous voyez? La victoire. La cima molende est longue. Et ça va pas de passer ma. Il y a des gens qui ont parce que ma pression comme moi, il y a des gens qui ont fait la terre, il y a des gens qui ont fait la terre. Ne te fâche pas. Ça a monté mon kita. Ah, sois en paix. Espère en Dieu. Sois mon aîné. Et sois en paix. La victoire. Et là, il y a des gens qui ne pourront plus te regarder deux fois. Il est pécheur, ne dis pas que c'est lui qui t'a. Vous avez compris, non? Ah. Eh bien, pasteur, va s'y baka. Ah. Que parent bon, on est aussi là. On a battu ma maison. Qui se devait changer, hein? Et comme il y a 6 mois, Bible, hein? Mais l'assemblée des saints. Pas dans l'assemblée des saints. Pays mobile, ça n'a qu'à ta vie. C'est tout le pays qui est dans le livre. Sauf à Tanyamo, si on lit. Le roi payé, sa place à l'époque. Comme le pays, c'est le lieu de l'époque. Sauf à Tanyamo, on a l'autre, tu vas vivre. Moi, j'entre à l'époque. Tant pas pour l'ailleurs. Que Dieu laisse ton père acclamer pour vous. La connaissance. Voilà. Nous finissons par ici. Nous sommes en intervention pour cette période. Mathieu a pogné les décors. Prochainement, peut-être très prochainement, tenons-nous debout, nous allons prier. Tout ennemi, nous avons 10 minutes. Nous allons prier, alors prier. Nous avons 10 minutes. Nous allons dire des mots, Seigneur, pour nos vies. Donc, on l'a mis là, malobé, pas y'a encore un bon abonné à la mission. Tiens-toi debout, s'il te plaît, tiens-toi debout. Téléma, abonné. Est-ce que tu peux d'abord dire merci au Seigneur pour la parole? Donc, qui compte dans un bain pour la libération, voilà. En dehors de tout, en dépit de tout, tu es t'aimes. Les bandas, il y a un lion sur la Nzambé avec lui. Il te donne l'évangile par excellence. Ça dit qu'on peut se sentir mal à moi. Dis-lui merci. Glorifie-les. Élève-les. Adore-les. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
des gens qui qui prient, c'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a qui regardent les autres. Il y en a même en criant, ils sont en train de s'endoler. D'autres encore, ils prient tout en oubliant ce qu'il faut dire dans sa prière. Je veux que tu dises au Seigneur ces paroles. Aujourd'hui, les livres lient. C'est cette grâce que tu as démontrée par ta mort sur la croix. Tu es assis à la droite du Père pour répondre aux problèmes de ma vie. Ne laisse pas mon âme dans l'affliction. Ne laisse pas mon âme dans la souffrance. Fais-moi grâce que je vois la victoire dans tous les domaines que vous voyez. Tous les domaines, demandez la victoire. Prions, 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 prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus.
Amen.